Regardez ça directement. Trop beau. L'hôtel, il est vraiment là, quoi. Dites à son micro, on voit. Salut à tous, les amis. Hello, bro. You know what I'm saying, bro? Là, on n'est pas comme tout le monde, bro. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, PSG. We understand. Yeah, yeah. Mes lunettes sont bleues. Ok, bro. Aujourd'hui, on est le 31 décembre, les amis. Dernier jour de 2021. Hein, quelle année, sacrée année. Bon, vous connaissez déjà, on parlera pas trop, mais bon, je pense que pour tout le monde, ça a été particulier. J'espère que 2022 sera... Il y a un peu beaucoup d'ombre sur moi, là. J'espère que 2022 sera mieux pour tout le monde. Je vous souhaite plein de bonnes choses, bonheur, santé. Mais 2022, ça arrive, là. Faut que ce soit un truc, tu vois ou quoi? Donc, je disais... Donc pour 2022, j'espère que ce sera une meilleure année. Moi, je vous souhaite en tout cas de la santé, du bonheur, de la réussite, que tous vos projets aboutissent. Bon, et bien sûr, 2022, toujours avec nous, hein, on continue les vidéos. Pour cette année 2022, on a souhaité vous proposer aussi deux types de contenus. On s'est dit qu'on aimerait bien partager avec vous un petit peu les backstage, on va dire, c'est un peu comme ça, de quand on fait les vidéos, ou de si on a des partenariats, ou des choses comme ça, ou même de notre vie en Guadeloupe, tout simplement. Puisque c'est vrai qu'on a fait une vidéo retour au pays, mais on n'a pas forcément, à part bien sûr tous les restaurants, tous les bons plans qu'on monte, etc., quand on cuisine avec les restaurateurs, on n'a pas forcément montré notre vie en Guadeloupe, un petit peu comment on s'est adapté. Et du coup, on a décidé de vous proposer ça. Vous nous direz en commentaire si ça vous plaît, si c'est quelque chose que vous souhaitez qu'on continue, hein, tout simplement. Donc là, on est en route, on va à Daubain, on va récupérer un entremets pour le 31 qui nous est offert par un très gentil chocolatier. On a fait une petite story sur Instagram, donc il faut nous suivre sur Instagram, les amis, c'est créolement bon. TikTok, c'est créolement bon aussi. On avait fait une petite story où on présentait du coup ces chocolats. Il avait fait des chocolats avec une association Rom. Et du coup, on avait fait une petite story pour lui pour présenter ses chocolats. Et du coup, pour nous remercier, il nous offre tout simplement un entremets qu'on va aller récupérer de ce pas. Donc voilà, on vous montrera ce que c'est. On vient d'arriver, on vient de rejoindre Thomas là. Mais là, il est déjà à la bourre là. Donc... Salut Thomas. Hello, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Alors du coup, tu es chocolatier, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Et je fais aussi de la pâtisserie. Et là, je décore en direct votre gâteau. Aïe, regardez ça. Des petites fraises. Donc nous, c'est un entremets fruits rouges, c'est ça? C'est ça, c'est fruits rouges et champagne rosé. Wow. C'est l'entremets du nouvel an. Excellent. Super. Donc manufacture gourmande, comme vous voyez, bien évidemment. On va faire une vidéo avec lui bientôt. Là, on vous présente ça. Voilà, évidemment, là, c'est un peu entre nous. Là, il nous a fait un petit gâteau. Voilà, bien sûr, c'est ça. Là, on n'est pas dans sa pâtisserie, dans tout ça. Vous voyez, là, c'est un petit truc entre nous, voilà. Mais tu veux alors, attention, Thomas vient de nous dire que sur l'entremets qu'on va goûter, il y a de l'or 24 carats, les gars. Regardez ça, regardez ça. Des petites feuilles d'or. Oh. Oh là là. Mais qui vient qui 24 carats, ne fait pas Pontokina. Et là, c'est des paillettes d'or aussi. C'est ça, c'est de l'or en poudre. Ah ouais. Oh, voilà. Attention, regardez aïe, ça. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Oh là 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 là. Ça a l'air trop bon. Ça y est, là on est chez Jonathan. On a déposé le gâteau parce que là, on ne peut pas rentrer tout de suite puisqu'on va en tournage. On va en tournage vidéo. Donc on a déposé ça rapide chez Jonathan se change et on doit repartir direction SF. Bon, voici là, hein, vous parlez, c'est bon? Oui, c'est bon, le gars, il est on fleck, you know. Depuis c'est on fleck. On fleck. Voilà, on allait déposer les trucs chez ma mamie rapidement là. Ah, t'as dit, ouais. Okay. Donc, bon, ben nous allons. Ok, voilà. Bon, ça y est les amis, on vient d'arriver. Franchement, ce fut assez fastidieux parce que là, entre Johanna qui, je sais pas pourquoi, elle s'est pas liée en GPS, on dirait. On s'est perdu à Saint-François, s'il vous plaît. Un truc pour toi qui est si sympa à venir à la Pointe des Châteaux, franchement. Et toi, ouais. Si tu connaissais la route aussi. Oui, mais Johanna, il y a un GPS, excuse-moi. Voilà, allez, enfin bref, on arrive au restaurant, voilà. Donc, on est au restaurant chez nous. Et un restaurant d'ailleurs que vous pourrez voir du coup dans une vidéo. Aujourd'hui, les amis, on vous amène dans un restaurant qui prépare de la cuisine locale, mais surtout spécialisée dans les fruits de mer. C'est pour nous deux, ça. Les amis, je suis au paradis. Les amis, on a quitté Saint-François. On vient de passer chez la maman de Jonathan. On a récupéré un jeune petit champagne. Ah, il vient de tomber dans le coffre. Je sors gratuitement. Et là, on va à Thirier pour acheter quelques amuse-bouches pour ce soir. Hein. Voilà, après on doit encore aller acheter des boissons. Les amis, il est 17h. Et au pas comme et j'ai pas mis ma ceinture. Bravo. Eh mon Dieu, ça c'est très pas bien. Ça c'est très pas bien.
Voilà. On doit encore aller, du coup, je disais, acheter des boissons pour ce soir, de la boisson. Et il est déjà 17h et je suis fatiguée. Ah bah, j'ai moi-même. Tu vas pas montrer aux gens le sac. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, on vient de sortir de tirer les amis là. Mais ils le savent déjà. Voilà. On a fait le plein. On a fait le plein de petites courses là, vous voyez. On montrera ça tout à l'heure. Ouais. On va dresser les tables, histoire de parler. Voilà. On a pris des petits fours en gros, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà, hein, ça blindé là. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Bah, je sais pas. Hein. Voilà, on va acheter des boissons, oui, des boissons. D'accord. Exactement. Les gars. Voilà. Bon, c'est un nouveau contenu qu'on fait. Et franchement, les gars, là, on est vraiment de vrais amateurs. Hein, parce que... En fait, on est déjà le 1er janvier, là. Voilà. Et en fait, si on a fait la fête et tout, mais on a pas oublié de filmer. Voilà, on est vraiment désolé, mais vous inquiétez pas, c'est la première fois qu'on fait ce type de contenu. C'est normal, on oublie peut-être des petits trucs. Et après ça, quand c'est fini, on se fait « aïe ». Par contre, ce qu'on n'a pas oublié, les amis, c'est le gâteau qu'on n'a pas encore mangé. Ah, bon, ça par contre, donc, oui. Donc, vous pourrez le voir, voilà. La dégustation. Vous pourrez le voir. Voilà. Regardez un petit peu le gâteau à l'intérieur, super joli. Hein. Wow. Oui. Voilà, les amis, petite dégustation. Ina Bed. D'Ibed, voilà. Voilà, tiens. Merci. J'ai déjà fait pour que tu aies une cuillère parfaite. Ah ouais, tu as mis les différentes couches. Voilà, c'est ça. Aïe, aïe, justement, hâte de goûter le gâteau. Regardez. Il est quand même focus. Focus. Hein. Voilà. Wow. J'aime beaucoup. Trop bon. Je sais pas comment dire, mais déjà le petit biscuit, j'aime bien. Ah ouais. Mais le crémeux, là... C'est la partie blanche là, je sais pas, elle est super bonne. Non, tout est excellent. La texture, ouais. Alors franchement, manufacture gourmande les gars, franchement c'est vraiment top. Bon alors les amis, aujourd'hui on se retrouve car c'est... La veille de notre départ au Sainte. Donc là, préparatif pour... je vais faire mes bagages. La meuf fait une nuit, mais bon. Oui, voilà. Calme-toi. Ne commence pas, moi je porte rien pour toi. Donc, Et oui, d'accord. T'inquiète pas, ça va pas être trop lourd. Let's go, donc... Petit sac au calme, hein. On n'a pas besoin d'un grand truc quand même. Voilà. On n'a pas besoin de grand chose, donc un sac comme ça, ce sera largement bon. Les essentiels, c'est quoi quand tu vois ça? C'est maillot de bain, lunettes de soleil, plop. Oui, bien sûr. Voilà, on va mettre tout ça. Ben, écran solaire. On va rien mettre ça. Sinon, pendant que je suis en train de me préparer, faire ma petite valise, tout ça, regardez-lui. Qu'est-ce que tu fais, hein? Mais non, mais... Ah, tu fais rien. Quoi? On doit partir tout à l'heure, enfin tout à l'heure, demain, mais bon... Tu pourrais commencer à préparer tes affaires, non? Ne t'inquiète pas, mais en fait, le truc, c'est que je suis en train de répondre aux gens qui nous ont mentionné tout ça, parce que je sais, tu, comme on a été élu, quand même, révélation de l'année 2021. Eh ben d'accord, voilà. Merci Business au pays, révélation de l'année 2021. On est très contents, surtout merci à la communauté. Merci à la communauté, surtout. Bien sûr, qui ont voté pour nous. Voilà, c'est ça, parce que c'est grâce à eux aussi. Et fais voir ça un petit peu. De quoi? Attends. La publication de Business au pays. Ouais, il n'y a pas de problème. Fais voir ça. Ah. Alors, Toum-toum. Voilà. Wouah, il pépé, la magnifique Dieu crâle, mon bret, élu révélation de l'année 2021. Boum. Voilà, en plein cœur, en plein cœur. Je suis occupé, tu vois, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que tu fais rien. Salut les amis, on est dans le bateau. Là il est 9h06, on a un petit peu de retard. Normalement le départ était à 9h. Mais bon, toute une histoire, bref. Donc là on est bien arrivé dans le bateau et puis direction Los Santos. C'est bon, quand nous pas des capots en bateau là. C'est mal. Il y avait des gens là qui avaient des problèmes de réservation, tout ça. On voit l'heure défiler, 9h, on est toujours dans la queue. On s'est dit, aïe, le bateau là, quand il faut quoi? C'est nous. Parce que le bateau part à 9h. Oui, de base. Mais bon, tout va bien, on est là. Là, on est en train de partir d'ailleurs. Ça y est, les amis, on arrive au Sainte. Première fois pour monsieur. Dur. Ouais. Alors, ça fait quoi? Comment tu te trouves déjà, rien qu'en descendant du bateau? Franchement, très sympathique, hein. Sympathique. Fort sympathique. Du coup, là, on va aller rejoindre l'hôtel. Et puis, voilà, on va vous montrer tout ça tranquillement. Bon, comme on est un peu chargé, on va plus filmer après.
Mais là, on va marcher direction l'hôtel. Bon, ça y est, les amis, on est devant notre hôtel là. On a pu déjà déposer quelques affaires dans la bagagerie au calme. Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est pas très loin en vrai. Ah ouais, on a fait ça en 7 minutes à pied. Ouais, c'est 7 minutes à pied, comme on dit sur Google, hein, d'accord. Donc... ça, le but voilà. Là, c'est que le soleil il a chaud. Ouais, mais bon. Maman. C'est pas grand chose. Mais ça fait du bien. Bien ça sûr, bien. Comme ça, au moins, ça te pose directement sur le truc. Tu vois ce que je veux te dire? Ça me pose. Oui. Ça veut dire quoi ça? Bon, ça te met dans le cadre. Bon, alors à l'hôtel. Voilà, on monte du coup l'hôtel, alors vous montez à Deventure direct. Et puis on arrive à le Bleu Hôtel Terre de Haut. Donc c'est l'hôtel qu'on a choisi. Ah, attends, petite voiture. Pépé. Petit monsieur aussi. Alors, voilà, au calme. Donc vous avez vu, hein, direct, on arrive là-bas, on a marché 7 minutes, on arrive à l'hôtel. Voilà. Donc là, petit hall d'accueil. Tu veux pas t'asseoir là pour montrer un petit peu si les sièges sont confortables? Attends, c'est comment? On se sent bien là. On se sent bien avec la petite brise, le petit vent qui passe. Exactement, tu as tout compris. Donc là, on arrive au niveau de l'accueil. Voilà. Petit siège pour se poser au calme. Petit banc par ici. Voilà. Mais moi, ce que j'ai envie de vous montrer surtout, c'est la vue que j'ai aperçue et elle a l'air dingue. Alors attendez, parce qu'en plus c'est bien parce qu'on voit pas pour l'instant avec... Ouais, moi je cache pour l'instant. Ouais. Un accès privé à la plage s'il vous plaît. Voilà. Regardez ça. Incroyable. Ça c'est pas magnifique. Attends, on va s'approcher même. Oui, quand même. Puis regardez ça, mais viens Johanna. Mais oui, mais tu vas trop vite, vas-y moi viens. C'est ça, ouf, le soleil en plein, ouais. Donc regardez ça directement. C'est trop beau. L'hôtel il est vraiment là quoi. Hop, regardez l'hôtel. Hop. Nickel. C'est trop beau, franchement. Là, vous voyez, il y a les hôtels. Bon, tu dois marcher un peu pour la... Non, là, tu sens... Bam, bidim, boum, t'es à la plage. Voilà. Qu'est-ce que vous croyez? C'est ce qu'on appelle avoir les pieds dans l'eau, pour le coup. Les amis, là on rejoint Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour, bienvenue à l'eau bleue. Merci Salut. Beaucoup. Donc là je go, c'est l'eau bleue ou l'eau bleue? Tu nous l'eau as bleu. Dit l'eau bleue. Eh oui, c'est du créole. Ok. Donc on est à l'eau bleue. Depuis combien de temps ça existe, dis-nous? Ouh, c'est un des premiers hôtels de Lille, 1965. Peut-être. Ah ouais, quand même. Okay. Son premier petit nom était le Jeanne d'Arc. Ok. Très connu à l'époque, le Jeanne d'Arc. Ce qu'on vous a pas dit quand même, c'est que Stéphane, c'est lui le propriétaire aussi du coup de l'hôtel, voilà. Et donc du coup, Stéphane, comme tu nous disais, donc là, c'est l'un des premiers hôtels du coup de Lille. Torvala, qui était un ancien maire de Terre-de-Bas, qui avait été un des premiers romanciers, enfin qui a été le premier romancier au sein d'ailleurs, puisqu'il avait écrit un roman, et qui avait eu l'idée de créer un hôtel à cet endroit, sur la plage de Fontcuré. Et il a eu cette idée en même temps qu'un deuxième hôtel qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Très important, très important. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe si on veut réserver une chambre ici? Combien de temps il faut se prendre à l'avance? Je ne sais pas s'il y a des périodes, si des saisons. Au Sainte, il y a toujours effectivement des périodes un petit peu plus chargées. Hein. Vous connaissez, c'est la fin d'année, c'est l'époque carnaval, c'est Pâques, c'est le 15 août. Okay. Ce qui sont des périodes où il faut prévoir un peu à l'avance. Mais sinon, on arrive souvent à trouver une chambre quand même. Tranquillement, ok. On peut s'y prendre de deux manières. Soit on nous appelle, tout simplement. Beaucoup font par téléphone, notamment nos clients de Guadeloupe. Et puis beaucoup par notre site internet qui est lobleuhotel.com. Ok, d'accord, lobleuhotel.com. Lobleuhotel.com. On vous met ça en description, du coup, comme ça vous pourrez aller checker. Exactement. Pour si jamais vous avez envie. L'hôtel, ok, d'accord. Mais du coup, est-ce qu'il y a une spécificité dans l'hôtel aussi, surtout par rapport aux chambres, tout ça? Chaque chambre est décorée différemment en fait. D'accord. Donc un artiste peintre a géré chaque chambre, décoré directement sur le mur, en récupart ou en peinture directement sur le mur. Et puis des artistes étaient venus exprès il y a une douzaine d'années pour faire chaque chambre de façon différente. C'est un petit hôtel vraiment sympa. Ouais, on va vous montrer du coup les chambres aussi tout à l'heure. Enfin, quand vous pourrez rentrer, vous avez n'oubliez pas, c'est à partir de 15h. Et de toutes les informations du coup seront en description, vous irez checker. Merci beaucoup Stéphane. Mais je vous en prie, bon séjour. Merci. Nous nous dirigeons vers le restaurant. Exactement, donc nous sommes en chemin, en route. En chemin avec les scooters. Qui passe tout le temps. Exactement. Ouais. Alors, c'est la première fois que je viens dans cette terre.
sur cette terre de depuis le temps que le gars habite en Guadeloupe, il était jamais venu. Oh, un petit peu de plage. Bah, moi, je suis allé à la Désirade des Marais. Ah non, t'es pas toi. Si, je suis déjà allé. En fait. La Désirade ? Oui, je suis déjà allé. Ah, d'accord. Bon, Boclat. C'est ça. Courrier. Vite à la son micro-ondes, quoi. Alors, qu'a chauffé en fait, courrier. En fait, ce que t'as pas compris, c'est que en fonction du courrier, le facteur, en fait, il doit mettre une température. Ça veut dire, est-ce que c'est chaud ou c'est pas très chaud le courrier, tu vois. Et comme ça, si jamais c'est un courrier très chaud qui va avoir dedans ou pas, tu vois. Non, c'est pas ça, en fait, t'as compris. C'est que si c'est les impôts, c'est qu'à brûler ça tout de suite. Mais c'est ça, mais c'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Faut pas comprendre rien. Voilà, les amis, on arrive du coup vers le restaurant. Regardez, les balançoires. Las balançoires. Et en fait, ça porte bien son nom parce que regardez, tout devant là. Bon, on voit pas, on est trop loin. Fais un zoom. Regardez, il y a des balançoires. Waouh. Donc là, les amis, il est presque midi. Hein. Il est 58. Et j'ai faim. J'ai pas mangé depuis hier soir. J'ai rien mangé ce matin. Donc j'ai hâte d'aller manger. En plus, nombreux de nos abonnés nous ont recommandé les balançoires. On a d'ailleurs posé des questions sur Instagram. Donc si vous ne suivez pas encore sur Instagram, c'est... Créolement bon. Créolement bon, voilà. TikTok, Instagram. Voilà. Resto est vraiment trop chou et puis on a l'eau juste à côté, donc là Jonathan vient de se mouiller les pieds. Il est en train de faire un réel et puis boudoum. Voilà. Wesh. Eh oui, tu as pas vu qu'il y avait l'eau alors. L'eau ça mouille, tu sais. Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, regardez, là on est installé. Vraiment au bord de l'eau quoi. Hein? Exactement. Donc là, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a au menu. Oui, parce qu'il y a un petit QR code, c'est ça? Ouais. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, donc ils proposent du coup des burgers, fish burger, veggie burger, des fish and chips, des tacos de langue jaune. Aïe aïe aïe. Ça donne envie, ça, non? Ça donne très envie. Même ouais. Le petit ceviche de dorade aussi, j'ai vu. Ouais. Après, c'est des salades, salade César, salade thaï. Il y a aussi un tataki de thon. Ouais. Voilà. Mais il nous a dit, donc on a un peu parlé avec le propriétaire, il nous a dit que c'est du poisson frais. Hein. Poisson frais avec des pêcheurs locaux. Donc voilà. Je pense qu'il faut prendre un truc, tu vois, avec du poisson. Alors là, regardez les amis, les cocktails sont arrivés. Donc moi, j'ai pris un rum sour, un truc comme ça. Et Johanna? Un spritz. Mais spritz à l'antillaise. Alors du coup, on va goûter ça, parce qu'ils sont spécialisés aussi dans les cocktails et les tapas, hein, c'est bien ça. Donc c'est surtout le soir qu'ils font les tapas, mais du coup dans la journée, voilà, un petit cocktail tranquille, tu vois. Bravo. Non, en fait c'est hyper rafraîchissant quoi. Donc moi ça sort de spritz entier avec, qu'est-ce qu'il y a déjà? Purée de maracuja, jus de mangue et menthe fraîche. Donc on va goûter ça. On mélange bien, en tout cas ça a bien la couleur du spritz. J'aime beaucoup. Oui, c'est pour nous. Merci. Donc, tout au milieu, en fait, c'est ça? Oui, voilà, mettez tout ça. Au milieu, ça ira très bien. Hop. Deux petites assiettes, c'est vrai. Super, merci. Ça sent bon, les gars. Tu as faim? Ah ouais, là j'ai grave. Mais en fait, ça me donne faim surtout. En fait. Oui, parce qu'à la base, t'avais pas très faim. C'est ça. Nous avons un petit tacos de langouste. Voilà, trois petits tacos avec des frites maison. Là, nous avons pris un burger fish. Un fish burger. Un burger de poisson. Avec un bon steak de poisson. Ah ouais, il est épais hein, quand même. Hein. Et ici, le petit ceviche de poisson. Ouais, un bon ceviche de poisson. Très bien. Bon alors, on va commencer par le petit tacos, je pense, de langouste. Petit fish tacos. Ouais. Alors du coup, dedans, vous voyez, il y a de la langouste. De la langouste, petit guacamole d'avocat. Et des petites piqueuses d'oignons. Et je pense que ça, c'est du persil de la coriandre. Voilà, on va goûter. Ouais, ça coule. Franchement, c'est super bon. Hein. C'est très frais. Ouais. En fait, il y a du piment végétarien dedans. Hein. Non? Ou c'est des oignons? Ouais, c'est des oignons. Super bon. Donc aussi, il y a des frites maison avec. Super bonne frites maison. C'est toujours meilleur les frites maison. Toujours. Alors, on est team frites maison. Non, on est team frites maison. C'est clair.
prendre ça, un petit peu de lait de coco pour voir. Non mais le gars fait des trucs bizarres les gars. Fait des trucs bizarres. Ouais. Non, c'est mieux tout seul hein. Bon, goûte ton burger. Bon là c'est moi qui ai fait un four en fait, vous voyez. Voilà. J'ai déjà fait un petit ça four. C'est, regardez, non mais c'est pour voir la différence, alors regardez un petit peu. Ça c'est ouais. Le croc de Johanna. Vous voyez, voilà le croc de Johanna. On va voir le croc de Jonathan. Alors surtout regardez bien, le pain quand même, c'est un pain boulanger et tout. Le poisson c'est un poisson frais du coup. Et là maintenant on va voir mon croc du coup. Maman. Mastodonte. Ouais ça coule. Le poisson il est comment l'intérieur? Il est nacré la cuisson? Ou il est bien cuit? Oui regardez, c'est moi, bien c'est cuit. Moi c'est nacré, j'ai l'impression que c'est nacré. Bien cuit hein. Ouais. Avec la petite sauce à l'intérieur, ça fait vraiment le truc. Et le bon pain surtout, nickel. En plus franchement c'est super bien assaisonné. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans quand même. Hop là. Concombre. Voilà, non c'est pas des concombres, c'est des courgettes. Courgettes. Voilà, courgettes, je pense qu'il y a des oignons frits au dessus, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, la bonne tranche de poisson, vous voyez, hein, si on moque pas des gens. Hein. Voilà, deux tomates et la sauce en dessous du coup. Elle est sûre. Voilà. Ok, ça c'était un temps. Voilà, là on n'est pas sur du filo fish là. Hein. Bon maintenant Johanna va goûter du coup ce petit ceviche. Exactement, ceviche au lait de coco. Mets un petit peu le citron quand même par dessus. Ah voyons. Mais voyons, je suis bête. Suis-je bête? On mélange bien les amis. Voilà. Voilà, on prend un petit peu avec un oignon là. Voilà. Franchement les amis, je trouve que les pickles d'oignon, ça change un plat, mais c'est incroyable. Tu prends un petit bout de poisson avec un petit pickles qui vient rajouter l'acidité là, c'est trop bon. Par contre, non, tu vas pas bon. Tout manger quand même et moi. Non t'inquiète, je laisse pour toi. Bon d'accord. Watch out. Donc regardez la cuisson du poisson comme on disait, hein. Franchement, le truc est super bien cuit. Et la sauce tartare là. Elle est vraiment bonne. Ouais, ça donne un bon goût burger. Mm-hmm. Ah ouais. Bon alors, les amis. On a fini le petit repas. Donc moi, je prends mon petit thé. Hein, très important pour la digestion. Et puis après, ben, on va vous montrer la chambre. Parce qu'on va peut-être enfin pouvoir récupérer la chambre, normalement. Un petit peu fatigué, là, quand même. Ah ouais, je suis KO. Une petite sieste s'impose. On est comme des vieux. Ah, une petite sieste s'impose, là. Ça y est, les amis, on a notre chambre. Donc on va vous montrer... Laissez-moi boire au convelou.